Oh, je sais pas. J'ai oublié de demander au guichet en passant tout à l'heure. En tout cas, j'espère qu'il y en a un peu plus qu'hier. J'avais l'impression d'être revenu en répétition. C'est pas la critique à la télévision ce soir qui va attirer du monde, ça c'est sûr. Hein? Je l'ai pas vu. Aussi mauvaise que les autres? Ouais, aussi mauvaise que les autres. Moins bitch que certaines, mais mauvaise. Excuse-moi de te le demander, mais est-ce qu'il me tombe dessus comme les autres? C'est ça que je voulais dire en disant qu'elle était moins bitch. Au moins, lui, il dit que vous avez repris la mise en scène quelques jours avant première. Puis comme actrice? Ben, Mathieu, franchement, tu peux me le dire. Pas de personnage, encore une caricature. Laurette Mondor fait du Laurette Mondor. Ouais, c'est à peu près ça. À quoi il s'attendait, tout le monde? À pas me reconnaître? Il s'attendait-tu que je sois devenue une actrice française fraîchement débarquée ici? Puis pourquoi ils sont venus me voir, moi, s'ils voulaient que je sois devenue quelqu'un d'autre en 2 ans? Je les connais, hein? Si j'avais été complètement différente, ils auraient dit qu'ils s'ennuyaient de l'ancienne Laurette Mondor. Ils passaient 2 ans à l'étranger pour se retrouver dans un flop devant 7 personnes qui ont dû être invitées, qui savent pas trop qu'est-ce qu'ils font là. Pourquoi on n'arrête pas de jouer aussi, comme à New York puis à Paris? Hein? C'est humiliant pour tout le monde. Là, Mélène a dit que ça se peut qu'on arrête. Croteau attend de voir comment il va y avoir de monde le week-end prochain. Mais oui, mais on est le week-end. Il n'y aura pas plus de monde le week-end prochain. On n'a pas eu une seule bonne critique. Sauf toi. T'es celui qui s'en sort le mieux. Ouais. Ils n'ont même pas parlé de moi dans le devoir. Il faut y aller. Là. Non, mais tous les autres ont dit que t'étais bon, par exemple. Même voir, là, ils ont quasiment dit qu'ils comprenaient pas comment t'arrivais à être bon comme ça. Non. En jouant avec une has-been comme moi. Laurette, là, ils ont jamais dit ça. Hey, une has-been à 50 ans. Les acteurs, on est supposés pouvoir jouer jusqu'à notre mort, non? Arrête, y a personne qui a parlé de has-been, puis vous le savez très bien. Je sais lire entre les lignes. Ouais. Même rien que là que vous savez lire, hein? Regardons qui c'est qui parle. Tu l'as pas interprété, toi, la critique du devoir? Puis viens pas me dire que c'est pas la même chose, c'est exactement la même chose. Bon, on va voir combien ils sont. On va voir. Ben, ils verront, c'est tout le temps, ouais. S'il y a quelqu'un dans la salle, évidemment. Mon Dieu! Quasiment une bonne cinquantaine. Tu viens me dire qu'est-ce qu'ils font là? Hein? C'est-tu des figurants engagés par le théâtre? Peut-être que vous êtes quelque chose, vous. C'est peut-être juste le bouche à oreille qui commence à être beau. Ben oui, on n'a pas vu de bouche puis d'oreille depuis une semaine qu'on joue. Laurette, vous savez très bien que les gens qui viennent nous voir, ils aiment le spectacle. Ben, ils sont au nombre de 2. Arrête de rire, avez-vous. Vas-y. Mais là, coudonc. Je sais bien qu'ils pensent qu'on a du fun. Oh ben, tant qu'à ça. T'es sûr? Ben oui, tu demanderas à papa. Lui, là, le vieux, comment il s'appelle? John Wayne. Il est maquillé? Ben oui. Sinon, il serait trop pâle. Tous les acteurs, toutes les actrices que tu vois au cinéma ou à la télévision sont maquillées. C'est une question d'éclairage. Comme papa, là, au théâtre, ce soir, s'il se maquillait pas, s'il donnait pas un peu de couleur à sa peau, comme il y a beaucoup de spotlights sur lui, là, il aurait l'air malade ou bien il aurait l'air d'un fantôme. T'es jamais allé le voir quand il tourne en studio, là, son téléroman? Non. C'est toujours des jours d'école, puis maman veut pas. T'es sûr de ça, toi? Ben oui. T'as pas l'air de me croire. Je te crois, mais ça m'aide pas bien, bien. Pourquoi tu dis ça? J'ai un devoir à préparer en français. Le professeur nous a demandé de décrire le métier de notre père ou de notre mère. J'ai choisi papa parce qu'il y a des filles dans ma classe puis des gars qui ne croient pas que papa est mon père. Ils disent que j'ai vendu ça pour me rendre intéressant. Puis je voulais en profiter pour interviewer papa, là, comme si j'aurais été journaliste. Mais Sébastien... Quoi? Comme si... Oh, t'es fatigué avec ça. Avec des si, y a pas de ré. Comme si j'avais été un journaliste. C'est une très bonne idée. Ouais, mais je vais être obligé de dire que papa est maquillé quand on le voit à la télévision. Je vais me faire casser la gueule certain. Déjà, j'ai jamais dit. Qu'est-ce que t'as jamais dit, Sébastien? Ben, tu sais que. Mais que toi pis papa, mais. T'aurais trop peur de te faire casser la gueule? Je comprends. Il est sassé les tapettes à l'école. Ça s'appelle pas nécessairement comme ça, Sébastien. Je le sais. Moi, je le sais. Mais pas les autres. C'est pas le pire mot, ça. Tu devrais voir ça quand ils parlent de vous autres. Je te dis que c'est pas beau à voir. Moi, j'ai jamais dit que papa était comme ça. Pas à cette école-là. On fait pas depuis la maternelle, je pense. Tout le monde sait que mes parents sont divorcés. La plupart des parents sont divorcés de toute façon. Je dis que papa s'est pas remarié. C'est pas tout à fait un mensonge. Non.
C'est pas tout à fait un mensonge. Tu me chicaneras pas? Pas du tout. Je voudrais savoir une chose, Sébastien. Quoi? As-tu honte de papa puis moi? J'ai pensé à quelque chose l'après-midi, Marguerite. Pourquoi tu soupires? Parce que quand tu me dis que tu as pensé à quelque chose, là, c'est rarement pour m'apprendre une bonne nouvelle. Voyons donc. Où est-ce que tu vas chercher ça? Ah ouais, vas-y. Écoute, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être engager quelqu'un d'autre à la galerie. Une sorte d'assistante. Pourquoi tu veux? Ben, avec ce que tu viens de dire, tu te mets dans une drôle de situation. Ah bon? Alors, ça doit être ça, là, la mauvaise nouvelle qui s'en vient? C'est pas une mauvaise nouvelle. J'ai pensé qu'on pourrait engager une assistante. Parce que tes migraines se multiplient de plus en plus, puis t'es de plus en plus souvent absente. Oh. Je serais punie parce que je suis malade. Pas une question de punition. C'est que tu pourrais t'en poser plus. Cru donc, toi, là, là. Veux-tu te débarrasser de moi? C'est quoi, là, cette affaire-là? T'as-tu une petite blonde en vie? Hein? T'as-tu fait passer une audition intéressante? Marguerite. Ouais, là, franchement. On travaille ensemble depuis des années, on n'a jamais eu besoin de quelqu'un pour nous assister à la galerie. C'est quoi, cette affaire-là, là? Là, tout à coup, là, tu m'arrives avec ce projet-là, là, qui est plus ou moins bizarre, je dirais. Pas bizarre du tout. C'est pour t'aider. Je fais parfaitement mon travail. Puis c'est pas vrai que je m'absente de plus en plus souvent. Voyons donc. Ah, c'est ça. Faudrait que je souffre en silence, là. Faudrait pas que je le dise quand j'ai mal à la tête. Et les clients s'en rendent jamais compte. Fait que c'est ça qui est le principal. Les clients, je sais pas si t'as remarqué, mais il y en a pas beaucoup de ce temps-ci. Mais raison de plus pour pas engager une assistante. Pourquoi on engagerait quelqu'un s'il n'y a pas de monde à la galerie? Ah, bon, on va discuter avec toi. Et pourquoi une assistante? Pourquoi pas un assistant? Ah, ah, t'as pas une là? Franchement. Si t'avais dit un assistant, peut-être, là, peut-être que je t'aurais cru, mais t'as mis tout de suite la chose au féminin. Puis c'est drôle, hein? Je suis pas mal sûre que c'est ça, la mauvaise nouvelle. Bon. Non, tu te fais de jalousie. Pas du tout, ma chère, pas du tout. Je suis au-dessus de ça, là, depuis des années. Laisse-moi dire qu'il n'y a pas une assistante qui va mettre les pieds dans cette galerie-là tant qu'on n'aura pas doublé notre chiffre d'affaires. Prends ton temps, là, on n'est pas pressé. Puis fais comme je t'ai souvent dit, là. Choisis bien tes mots. J'ai peur que tu me chicanes. Je viens de te dire que je te chicanerai pas. OK. Avant, j'avais pas honte. Quand j'étais petit, il y en avait d'autres. Avec c'était leur mère, il y en avait d'autres que c'était leur père, comme moi. On dirait que ça n'avait pas d'importance. On ne savait pas ce que c'était, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Puis on était plutôt contents d'avoir trois papas ou trois mamans. Et quand j'ai été rendu en deuxième par troisième année, quand il y a des enfants qui ont commencé à parler des tapettes et à rire d'eux autres. Puis c'est pas juste des gars, hein. C'est pas de la honte. J'ai jamais eu honte de toi puis papa. Je me souviens même pas de maman puis papa ensemble. Je suis même pas capable de les imaginer. Mais je veux pas faire rire de moi. Puis je veux pas qu'il y ait une gang qui me tombe dessus. Puis j'ai un petit peu honte de moi. Parce que je fais ça parce que j'ai peur. Je m'ai toujours dit de pas avoir peur de mes convictions. Maman puis Gaston aussi. Mais ça... Les gangs à mon école font vraiment peur. Ça sera pas jusqu'au taxage, mais c'est bien juste. Écoute-moi bien, là. Tu dis que quand t'étais petit, là, à la maternelle, par exemple, il y en avait d'autres comme toi, hein? Oui. Puis que ça avait pas beaucoup d'importance. On savait pas ce que c'était. Puis nos parents nous disaient tous que c'était normal. Tu le croyais que c'était normal? Oui.
Tu le crois encore? Oui. Mais ces parents-là puis ces enfants-là, ils existent encore. Ils sont pas disparus dans la brume quand t'es passé en troisième année. S'il y en avait 6 ou 7, là, à la maternelle, dans le même cas que toi, ça veut dire que si tu regardes comme il faut autour de toi, il y en a encore 6 ou 7 qui vivent la même chose que toi. Tu penses? Ben, oui, c'est pas les mêmes, parce que t'as déménagé, t'as changé d'école, mais si tu regardes comme il faut, là, y en a-tu d'autres comme toi qui disent que leur père puis leur mère sont pas remariés? Ben oui, c'est vrai. Il y en a d'autres. Non, fais-moi pas ton air de bœuf, là. C'est pas mon air de bœuf. Oui, ça m'énerve. Hey, je peux-tu vivre? Ah, ah, c'est bien simple, c'est tout ça, là. Ah. Sébastien, je veux que tu saches que je comprends que t'as pas envie de te faire casser la gueule par une gang de débiles qui savent pas de quoi ils parlent. Puis ça, je vais m'en occuper, parce que ça me met en tabac. Sac pas, Jean-Marc. Tu veux pas que chaque donne l'exemple? Ce que je veux dire, c'est que je veux pas que tu penses que t'es le seul dans ton cas. Ça se peut pas que tu sois le seul dans ton école. Tu comprends ça? Ben oui. Tu sais, si t'étais pas le seul à la maternelle, t'es pas le seul là non plus. Tu comprends bien, là, hein? Puis t'as pas de raison d'avoir honte. Ni de ton père, puis t'as pas de raison d'avoir honte de toi. Mais regarde comme il faut autour. Mais fais attention, là, hein, parce que... Il y a sûrement des parents qui sont pas remariés, qui sont pas comme nous autres, là, tu sais. Je dis pas que vous vivez tous la même affaire. Ah, que c'est dur de se parler, hein? Ben, je trouve ça moins dur avec toi qu'avec papa. Pourquoi tu dis ça? Tu as déjà essayé de parler de ça avec lui? Non, justement, je trouvais ça trop dur. Ben, je suis certain qu'il te dirait la même chose que moi. Hein? Tu devrais même essayer. Ben, je le vois jamais ces temps-ci. Ouais, c'est vrai. Mais sa pièce va finir, hein? Non, mais c'est sûr, il faut que je leur remette le devoir. Hmm. Bon, écoute-moi bien. Demain après-midi, tu vas dire que tu as un devoir à faire et que tu as besoin de lui. De toute façon, c'est vrai. Ça sera pas un mensonge. Ben non, ça sera pas un mensonge. Tu lui diras que tu veux l'interviewer. Je suis sûr que ça va lui faire plaisir. Puis tu essaieras d'avoir la même conversation avec lui. All right, c'est cool. Hmm. T'as bien compris tout ce que je viens de te dire, hein? Ben oui, je suis pas tout seul. De toute façon, j'aime mieux ça comme ça. Hmm. Je sais plus quoi faire avec elle. À bout, comme d'habitude. À bout plus que d'habitude, puis plus longtemps. D'habitude, ça se passe au bout de 2-3 heures. Je la retrouve devant la télévision en train de regarder quelques ballets plates avec son idole, Margot Fontaine, qu'elle s'entête à appeler Marguerite Fontaine parce qu'elle sait que ça me tombe sur les nerfs. Mais là, là, je sais pas si c'est plus sérieux. Faut dire que vous l'avez pas manqué, hein? Vous y avez dit des choses pas mal terribles l'autre soir, maman. Elle avait couru après. Faire une histoire demain parce que j'étais allée manger au restaurant. Franchement! C'est vrai que je ne l'ai pas manqué. Mais tu sais, les égoïstes, il faut leur dire de temps en temps qu'ils le sont égoïstes. Parce qu'ils ne savent pas. Puis ils l'oublient d'une fois à l'autre. Es-tu si égoïste que ça? Il n'y a rien qu'elle qui compte. Elle a toujours été comme ça. Elle ramène tout à elle. À ses petits problèmes à elle, à ses petits mots à elle. Puis elle apprend pas d'être contrariée. Jamais! Faut faire à sa tête. 28 heures par jour, 8 jours par semaine. Sinon, elle prend pas. Ben, tu l'as déjà entendu quand t'as fait son bec pincé, là? Et puis qu'elle dit, je le prends pas! Avec sa petite voix pointue, ça, ou bien je la trouve pas drôle. Hey, ris pas, là! Je ris pas. Là, tu souris, c'est aussi pire. C'est ma sœur, je l'aime bien. Puis j'y ai dit l'autre jour, mais... j'existe, moi aussi! Elle est pas capable, ces maudits chats, elle est pas capable de comprendre que j'ai pas envie de vivre avec 300 chats qui guettent tout ce que je fais du matin au soir. Elle dit que je suis capricieuse. C'est elle qui est capricieuse. Qu'elle en mette 500 des chats dans sa chambre si elle veut, ça me fait rien. Mais qu'elle me bordre pas avec ça dans le reste de la maison. Il y en a même un qui me surveille quand je prends ma douche. Mais là, c'est une chance, il est en train de se décoller, celui-là. Mais là, là... Ouais, ça fait... 3 jours que
Je la vois passer dans la maison comme un fantôme. Ah, elle va dans la cuisine faire une sandwich ou bien elle va aux toilettes et puis elle retourne dans sa chambre. Un vrai reproche vivant. Puis le pire, c'est qu'elle se punit autant qu'elle me punit, moi. Elle fait ça pour me faire culpabiliser, puis elle réussit. Oh. Tellement facile de me faire culpabiliser, moi, tu me connais. Mais pendant ce temps-là, ça fait 3 jours qu'elle vit toute seule dans sa chambre, comme si quelqu'un l'avait punie. Hé, hey, mais j'y pense. Ça aussi, ça va être de ma faute. Tu sais que tu t'en vas? Je vais aller essayer d'y parler. Ouais, ben, good luck. Elle a même pas voulu parler à sa propre fille. Gaëtan est enfin venu voir sa mère. Tu folle, toi? Gaëtan n'irait pas voir sa mère, même si on mettait la police après elle. Non, non, c'est moi qui l'ai appelé pour lui demander d'essayer d'y parler. Mais Blanche a jamais voulu. Non, elle restait le nez collé dans une revue, là, qu'elle faisait semblant de lire. Elle demande même si elle la tenait pas à l'envers. Mais dans le fond, elle avait peut-être un peu raison. Une fille sans cœur, ça restera toujours une fille sans cœur, même quand ça décide de parler à sa mère. Mon Dieu, maman, j'espère que vous dites pas ça pour moi. Ben non, t'es pas sans cœur, toi. Ah, oh, des fois, t'as oublié que j'existe pendant un bon bout de temps, mais t'es pas sans cœur. Maman, c'est pas vrai, ça. Je peux être 2-3 jours sans vous téléphoner, c'est vrai, mais ça veut pas dire que j'oublie que vous existez. Ça veut juste dire que j'ai rien à vous... rien à dire. Ben, une fille qui appelle pas sa mère tous les jours. Mathieu, maman, vous faites comme ma tante Blanche, là, vous essayez de me faire culpabiliser. Oh, c'est vrai, excuse-moi, ma pauvre petite fille. Ça doit être de famille, coudonc. C'est parce que je suis un peu énervée là, que je dis cette affaire de même. Écoute-moi pas. Parce qu'après tout, si je veux te parler, j'ai rien qu'à t'appeler. Ben, même si c'est aux enfants à appeler les parents. Maman, vous continuez, là. Oh, oui, c'est vrai. Excuse-moi, je dis plus rien. Je vais quand même essayer de parler à ma tante Blanche. Ben, t'es bien courageuse, ma petite fille. Puis t'es bien naïve aussi. Elle va te recevoir. Avec une brique puis un fanal, c'est sûr et certain. C'est bon. Tant mieux. J'aurais même mis un bon steak, mais... On commence pas avec ça, là. Ça te manque pas, des fois. Quoi? La viande? Ah, on en a parlé 100 fois, Mylène. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Et pourquoi on en parlerait là, maintenant, ce soir, là, d'un coup? Oh, ça va rire un peu. Ça va tellement mal au théâtre. Faut que je te fasse rire parce que ça va mal au théâtre. Tu sais ce que je veux dire? Non, je vois pas du tout le rapport, là. Quand je suis devenue végétarienne, t'as ri de moi pendant des mois, mais ça fait 5 ans, Mylène. 5 ans. Jamais je croirais que tu trouves ça encore drôle après 5 ans. Quand t'as arrêté de fumer, toi, j'ai pas ri de toi, moi. Oh, ben, c'est pas pareil. C'est pas une question de santé. Mais moi aussi, c'est une question de santé. Hey, non, on recommencera pas avec ça, là. Dis-moi juste une chose. C'est-tu vrai, là, qu'avec le temps, ça devient de moins en moins difficile, comme pour la cigarette? Qu'on vient là, que la viande nous dégoûte, là. Tiens, on n'est même plus capable d'en parler. Ça fait 20 ans qu'on vit ensemble. Tu devrais tout savoir ça de moi. Ça fait 20 ans qu'on vit ensemble. Je sais très bien que quand tu parles pas d'une chose pendant un certain temps, c'est parce que ça te chicote. Oh, toi, là. Bon, OK. C'est vrai que je commence à m'ennuyer de la viande des fois. Oh, yeah! On va manger de la viande à la maison? Ben, arrête-moi ça, t'es jamais là. Moi non plus, d'ailleurs. J'ai surtout pas dit que j'allais en remanger, hein. On va pas parler de ça devant tout le monde, toi. Surtout pas ici, là. Le propriétaire d'un restaurant végétarien s'ennuie de la viande, franchement. Oh, tout le monde a droit à ses petites faiblesses. Ben, comment ça se fait que ça te reprend? Je pensais que c'est le contraire que tu produisais. Je sais pas si c'est la ménopause ou quoi, là, mais... Tu vas encore rire de moi, là. Oui, mais dis-lui pas, là. Il m'est même arrivé d'en rêver. Hein? Ben oui, je suis assez inquiète. Pas plus tard que 2-3 nuits, justement. Écoute bien ça. J'étais en train de manger le duo poulet-porc de ma mère. Oh, le duo poulet-porc de ta mère. Avec des patates brunes puis du gravy. Oh, ça, c'était bon. Puis tout était debout à côté du chaudron, puis tu disais, quand tu vas avoir fini ton assiette, il va encore en rester. Oh. Oh, quand je me suis réveillée, là, j'aurais pleuré. J'aurais dû me réveiller. On aurait pleuré ensemble. Ah.
Ça, ça veut pas dire que le duo poulet-porc de ma mère va faire son entrée dans la maison tôt, hein. Je te préviens, mets-toi pas ça dans la tête. Oh oui, une dinde à Noël, hein? Ah. Une autre à l'action de grâce. Hey, t'as de mal au cœur. Au vrai, tu salives. Je salive pas partout. Jeanne, tu salives. Hey, non. Qu'est-ce qui se passe ici, donc? Ah, oui. Vous avez l'air de deux petites filles de 12 ans. On rit, là. On peut savoir de quoi? On parle de monde que tu connais pas. Ça m'étonnerait, on connaît à peu près le même monde. J'aime pas beaucoup les messes basses. J'ai assez peur que tu parles. J'ai déjà failli à perdre la semaine passée, c'est aussi. Je te le dis, moi, ce restaurant-là va devenir un greasy spoon, ça sera pas long. T'es sûr que tu veux te coucher tout de suite? Ben oui. Tu vas dormir? Non, je vais peut-être l'air un petit peu avant de m'endormir. T'es sûr? Oui. Est-ce que je laisse la porte ouverte? Oui. Bon, ben, bonne nuit. Bonne nuit. Papa va venir t'embrasser quand il va arriver. Dis qu'il me réveille. Ah, certainement pas, Sébastien. Bye. Bye. Jean-Marc? Oui? Peux-tu revenir ici une minute? Qu'est-ce qu'il y a? J'aurais quelque chose d'autre à te demander. Tout de suite, là? Oui. As-tu le temps? Ben oui. Ça va-tu être long? Ça vaut-tu la peine que je m'assoie? Oui. Ça se peut que ça soit assez long. Ah. OK. Vas-y, je t'écoute. C'est bien gênant. Encore? Encore plus que tout à l'heure. Mon Dieu. Ah oui, vas-y. Tu te souviens, il y a quelques années, vous m'aviez acheté un livre sur la sexualité? Oui. C'était un livre avec des dessins en couleur. Mmh. Maman m'avait expliqué comment on fait les bébés. Puis... je sais tout ça depuis longtemps. Puis avec ce que j'entends à l'école, il faudrait être ben niaiseux pour comprendre. Il y a des gars qui parlent juste de ça. Mmh. Mais il y a quelque chose que je sais pas. Je sais comment les hommes et les femmes font l'amour. Puis que c'est pas juste pour faire des bébés que c'est bien le fun. Mais... vous autres... le monde comme vous autres... je sais pas comment vous faites ça. L'autre jour, j'étais allée voir maman pour lui demander. Elle est devenue toute rouge, puis elle m'a dit de m'adresser à mon père pour ça. Comme je savais que je verrais pas papa pour un bout de temps, que je passerais mes fins de semaine avec toi, parce que c'est au théâtre, ça faisait partie des affaires gênantes que j'avais à te demander. Tu paranoïes encore. Oh, remarque que je peux pas te contredire là-dessus, je passe ma vie à paranoïer. C'est de famille, je pense. T'aurais dû nous voir quand j'étais petite. Une vraie famille de fous. Tout le monde surveillait tout le monde était convaincu que tout le monde complotait. Puis tout le monde avait raison. Exactement. Ça fait que demande-toi pas pourquoi j'ai toujours la tête dans le dos puis que j'ai toujours l'impression que je suis en train de me faire avoir. J'ai enfin trouvé un endroit où j'aime travailler, même si je le montre pas ouais. Tout le temps, je te veux dire. Ça fait que c'est tout à fait normal que je pense qu'il va arriver quelque chose puis que tout va s'effondrer tout d'un coup. C'est pour ça que tu penses au Greasy Spoon. L'endroit est agréable pour un restaurant végétarien. Je me suis habitué aux clients, eux autres aussi. Je m'entends bien avec toi, je m'entends bien avec la patronne. Il faut que quelque chose fasse quelque part. Ça se peut pas autrement. Elle est tellement égoïste. Elle pense rien qu'à elle. Ça ne fait rien à elle que je sois inquiète sans bon sens quand elle disparaît des avant-midi de temps. Ma tante, d'abord, ça y est arrivé rien qu'une fois. Puis elle a promis qu'elle vous préviendrait à l'avenir. Qu'est-ce que je dis là, moi? Elle vous avait prévenu la dernière fois aussi, mais c'est vous qui l'avez pas cru puis qui avez fait des histoires à plus finir. Voir si ça a du bon sens, une femme de son âge. Quoi? Qu'est-ce qui a pas de bon sens? Je vous comprends plus, là, ma tante. Ben, moi non plus, je me comprends plus. Je comprends surtout pas ce qu'elle fait à vouloir prendre ses petits déjeuners en dehors. Est-ce que ça peut faire aux autres? Ça, ça l'intéresse pas, mais non. C'est maman qui mange ses bagels, puis sa salade aux yeux tranquille. Madame est contente, tu sais. Écoutez,
Parlez-vous tous les deux, parce que là, j'ai l'impression que je peux plus rien faire. Je suis plus capable de suivre votre logique, ma tante, si vous en avez une. Oh, ben, il n'est pas question que j'y parle. Ça commence pas par me faire des excuses. Des excuses? Mais pourquoi faire? Alors, ce qu'elle a, elle a bien le droit de faire ce qu'elle veut. Ben, c'est ça. Mets-toi de son bord. Je suis pas du bord de personne. J'essaie juste de trouver une façon de vous faire vous parler tous les deux. Pour vous reprocher les mêmes affaires tous les deux. Vous pouvez tourner en rond bien longtemps comme ça, vous savez. Ben, c'est ça, ma petite fille. Laisse-nous donc tourner en rond si ça te gêne. Oh, ma tante, vous êtes bien boquée. Ça fait 60 ans que j'ai dit qu'elle est boquée. Ben, ça fait pas 60 ans qu'on reste ensemble. J'ai commencé à dire ça bien avant qu'on reste ensemble. T'étais boquée quand t'étais enfant. T'étais boquée quand t'étais adolescente. T'étais boquée quand t'as marié Guillaume. T'as toujours été boquée, puis tu le seras toujours. Ah, des fois, c'est vrai, on a eu du fun ensemble. Mais la plupart du temps, laisse-moi te dire que t'es pas drôle à endurer. Bon, c'est ça, le jugement dernier vient d'être prononcé. Faut plus rien dire, faut tout aller se coucher. Marie, la parfaite, vient de parler. Ben, commence pas avec ça. Je ne sais pas comment vous faites. Vous passez votre vie à vous dire « recommence pas avec ça », puis envoyez donc vous recommencer, vous continuez à vous chicaner, ça n'arrête pas. Pour moi, vous aimez ça. C'est ça le problème. Tant qu'à ça, elle a peut-être un peu raison. Vous aimez ça, avoir raison, hein? Mais raison pourquoi? Peut-être qu'on aime un peu ça. Quoi? La chicane? La chicane. Oh, ben, en tout cas, ça passe le temps. Écoute bien. Je sais pas si tu te souviens, mais quand tu étais petit, il nous arrivait souvent de prendre notre bain ensemble, toi et moi. Tu m'en souviens pas? Alors, tu étais trop petit. Je venais juste de rencontrer ton père, tu avais peut-être, je sais pas, 2 ans et demi. Puis. T'avais acheté un canard en caoutchouc jaune que t'aimais beaucoup parce qu'il faisait... Oui, oui, oui. Oh oui, je me rappelle de ce canard-là. Oui, oui, oui. On l'a peut-être encore dans tes vieilles affaires, d'ailleurs. Ben, j'aimerais ça le retrouver. Ah, ben, on regardera. Ah, j'espère que tu sais que c'est difficile pour moi de parler de ces choses-là. Ben, c'est difficile pour moi aussi. Oui, mais c'est pas toi qui parles, toi, t'écoutes. C'est gênant d'écouter pareil. Non, peut-être. En tout cas, ça avait fini par se savoir dans la famille de Gaston que ta mère venait juste de rencontrer, puis ça avait fait toute une histoire. Il y a un des frères de Gaston qui t'avait demandé si je te touchais quand on prenait notre bain ensemble, puis toi, t'avais répondu oui parce que tu comprenais pas ce qu'il voulait dire. Après que tout ça a été clarifié, que le frère de Gaston se soit excusé auprès de moi, on est décidé de se rencontrer, papa, maman, Gaston, moi, puis on a décidé que... Gaston et moi, mais surtout moi, on serait très prudents avec toi à l'avenir. Donc, première chose, plus de bain. Moi, ça me faisait de la peine parce qu'on avait beaucoup de plaisir ensemble. Papa nous entendait rire jusque dans le fond de la maison. Et quand on avait fini, la salle de bain valait une piscine publique. En tout cas, à partir de ce moment-là, c'est papa qui te déshabillait, papa qui te donnait ton bain. Quand tu étais malade, c'était papa ou maman qui s'occupait de toi. Tu comprends bien pourquoi, hein? Ben oui, pour plus qu'il y ait de malentendus. C'est ça, pour plus qu'il y ait de malentendus. Fait que là, ça va être la même chose avec la question que tu m'as demandé. C'est à ton père que ta mère t'a dit de t'adresser, alors je prendrai pas la responsabilité de te répondre à ça sans témoin. Je trouve ça aussi niaiseux que toi, mais c'est la seule réponse que je peux te donner. Quand tu vas en parler avec papa demain, si tu veux que je sois présent, on en parlera à trois. Mais pas ce soir, puis surtout pas dans ta chambre à coucher. On va faire beaucoup d'affaires à parler avec papa demain. Non, mais t'étais prêt à en parler avec moi. Oui, mais je pensais que ça allait être plus facile avec toi. Pourquoi tu veux savoir ça? Par simple curiosité? Ben oui, parce que je veux comprendre. Pas l'amour, là. Je sais que papa et toi, vous aimez beaucoup. Je me l'avais assez dit quand j'ai commencé à vous poser des questions. Mais pour savoir comment vous faites. Même chose pour Mélène et Jeanne, puis les deux sorcières d'en bas. Écoute, peux-tu me donner une semaine là-dessus? Je vais essayer de voir, je vais m'informer s'il existe un livre. Je pense pas qu'il en existe, mais il me semble que ça serait plus facile avec des dessins. C'est tout rouge. Ben, il y a de quoi, hein? Bon, en tout cas.
Bonne nuit, dors bien, là, puis pense pas à ça, là. Je vais essayer de trouver une solution pas trop gênante pour personne, OK? Je pense que c'est toi qui vas mal dormir, hein? Ouais, peut-être. En tout cas, fais-toi-en pas avec ça, là, c'est des problèmes d'adultes, OK? Bye. Mm. Bonne nuit. Bonne nuit. Jean-Marc? Coudon, vas-tu me rappeler comme ça toute la nuit? Je voulais juste te dire... J'ai un petit peu menti. J'en sais déjà des bouts. Pas toutes, mais j'en sais des bouts. Je veux juste vérifier si ce que je sais... Mais c'est vrai. On n'aura pas besoin de livre. Ah, il n'y avait jamais eu autant de monde depuis le soir de la première. C'était le fun, hein? Ben oui, c'est encourageant. Ah, ce sera pas le flop qu'on pensait en fin de compte. Mm-hmm. Mais l'auteur devrait venir nous voir de temps en temps. Ça lui ferait peut-être plaisir de se rendre compte que tout le monde n'aille pas sa pièce. Ouais, je pense qu'il n'est pas en état de voir grand monde, l'auteur. T'as pas eu d'autres nouvelles? Non, je suis pas sûr d'en vouloir non plus. Vous en avez pas eu non plus? Coudon, t'es pas supposé de se tutoyer, nous autres, depuis le lendemain de la première que tu t'es remis à me vouvoyer. Ben oui, c'est vrai, excuse-moi. Mais c'est tellement vieille quand tu me dis vous comme ça, on n'a pas 40 ans de différence. Surtout que je tutoie tout le monde, même ma grand-mère. Ben merci. Ben, là, faut dire que quelqu'un qui a travaillé avec Lelouch, Miller, Lecomte, c'est impressionnant. Quand est-ce que vous allez comprendre, tout le monde, que j'ai travaillé avec Lelouch, Lecomte, Miller, parce qu'ils avaient besoin de l'argent canadien pour financer leur film? Je représentais l'apport canadien à la production. Ah ouais? Certainement pas pour mon talent qui me prenait, mais pour le chèque qui venait avec. Oh, t'exagères pas un peu, là? Ben non, j'exagère pas. C'est bien ça qui est terrible. Ils viennent ici, là, chercher des centaines de milliers de dollars, puis ils donnent un beau 2 jours de tournage à un acteur canadien ou une actrice canadienne, de préférence sans accent. Toi, t'as tes 2 jours, puis y a personne qui s'occupe de toi. Tu joues la concierge portugaise qui monte porter le courrier, ou bien l'ancienne maîtresse qui est allée vivre à New York depuis 18 ans. T'as tes 3 répliques, tu les livres dans l'indifférence générale. Puis pendant ce temps-là, là, ici, ils font des front pages avec ça. A été lancé en Europe, ils te prédisent une grande carrière internationale. Puis quand le soir de la première arrive, là, si t'es chanceuse, tes 12 secondes n'ont pas été coupées. Puis là, t'as l'air d'une maudite folle. T'es quand même pas pour aller avouer que quand tu jouais, t'avais un chèque d'accroché dans le dos. Mais tu devais t'en douter quand t'es parti. Non, on s'en doute pas. On le sait, on a une série de ceux à qui c'était déjà arrivé. Mais on pense que pour nous autres, ça va être différent. C'est que pour cette fois-là, ça va être vrai. Mais moi, en tout cas, quand je suis allée tourner là-bas, c'était pas avec l'argent canadien qui me précédait. J'avais rencontré un metteur en scène français qui croyait en moi. Enfin, qui le prétendait. Puis qui m'avait presque, je dis bien presque, là, invité là-bas. Mais ce que je prenais pour une promesse ferme, c'est en fin de compte une promesse arrachée de force entre 2 parties de jambes en l'air. Tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. En tout cas, toujours est-il que Robert Soyer... C'est son nom. C'est un metteur en scène de théâtre. Alors, c'est comme ici, hein, c'est comme partout ailleurs. Il faut que tu fasses partie de la gang. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est normal. Les metteurs en scène, là, ça travaille toujours avec les mêmes auteurs, hein, les mêmes acteurs. Puis entre nous, là, franchement, ils ont-tu besoin de toi? Non. Ça fait que pendant 2 ans, j'ai travaillé comme apport canadien à la production de certains films. Oh, oh. Lecomte, Lelouch, Miller, mais je te dis qu'il faut que tu loues la cassette puis que tu me regardes image par image si tu veux me voir. Non, ça, c'est pas vrai. Dans le film de Claude Lelouch, t'avais une maudite bonne scène. Oh, mon Dieu, tu connais mon œuvre cinématographique en plus. Et... De toute façon, je sais même pas si cette scène-là existe dans la version qui était présentée en France. Non, mais voyons, Laurette, c'est ici, en Amérique du Nord, qu'ils raccourcissent les films. C'est pas là-bas. Oh. Puis pour ce qui est de mon retour triomphal dans le pays qui m'a vu naître, eh bien, écoute, j'ai pas besoin de te le raconter, t'es en train de le vivre avec moi, regarde, partout où tu iras. Hein? D'habitude, j'ai beaucoup d'intuition pour ce genre de choses-là. Je comprends pas. J'étais convaincue qu'on la reverrait le lendemain matin, cette petite madame-là, avec son petit imperméable. Il a dû y arriver quelque chose. Mais que t'es dramatique. Pas dramatique. Mais oui, plutôt que de penser qu'elle n'a pas eu le temps, là, ou qu'elle n'a tout simplement pas eu le goût de revenir, là, tu vas t'imaginer toutes sortes d'affaires. Elle nous l'a dit elle-même qu'elle reviendrait, non? J'avais quasiment l'impression que la salade aux yeux de Pierrot était devenue sa nouvelle drogue. Au lieu de prendre ses pilules de vieille le matin, là, elle viendrait se bourrer ici de tout ce qu'on a dans le menu.
Remarquez que ce qu'elle mangerait ici serait certainement meilleur que ce qu'elle doit prendre comme pilule. Un pauvre vieux, hein? Les médecins ils empoisonnent à petit feu. Elle t'intéresse donc bien, toi, cette madame-là? T'arrêtes pas de parler d'elle depuis l'autre matin? Es-tu rendu aux vieilles, coudonc? Ah, t'es niaiseux. N'empêche que les nouveaux clients t'intéressent rarement autant, hein? Ouais, surtout quand c'est des non-croyants. Mm-hmm. En fait, elle me fait penser à ma grand-mère, si vous voulez le savoir. Mm. Ah, c'est donc ça! Mm. Il me semblait bien aussi qu'il y avait quelque chose. Ta grand-mère est aussi vive puis aussi gentille que ça? Était. Elle est morte l'année dernière. Ah, excuse-moi, je m'en souviens. C'est correct. Quand j'ai vu Mme Villeneuve rentrer l'autre matin, là, c'est pas tellement qu'ils se ressemblent. Ils se ressemblent pas partout physiquement. Ma grand-mère était plutôt baquaise, comme on dit dans ma famille. Non, je sais pas, quelque chose dans sa démarche. La petite lueur vive dans ses yeux. J'ai tout de suite pensé à grand-maman de Bellevue. Puis t'as craqué? Puis j'ai craqué. Ma grand-mère était la seule personne dans ma famille à qui j'avais réussi à dire que... Enfin, ce que je suis. Ah, c'est donc ça. Je comprends. Comment elle avait pris ça, hein? Plutôt mal, je dois avouer. Et je pense qu'elle savait même pas que ça existait chez les femmes. Mais au moins, elle avait essayé de comprendre. Ça m'avait beaucoup aidé parce que j'étais pas mal mélangée à cette époque-là. Elle était merveilleuse. Elle disait tout le temps, « J'avoue que je comprends pas, que je comprends pas que ça puisse exister, mais si c'est ça que tu veux. Mmh. » Ah, puis t'es peur. Ouais. J'ai pas eu besoin de leur dire, mon frère l'a deviné, puis il m'a, pour utiliser son expression, dénoncé à mon père pendant un repas de famille. J'ai pas pu le nier. Enfin, j'ai décidé de pas le nier. Puis mon père me met à la porte. Eh ouais. J'ai jamais revu, lui. Il est mort avant qu'on se reparle. Puis ta mère, elle? Je lui parle au téléphone une fois de temps en temps. Elle a toujours été brainwashed par mon père. Même mort, il l'influence encore. Grand-maman, elle, je la voyais souvent. Puis quand elle est morte, je me suis vraiment sentie seule. C'est pour ça que t'aimerais ça que Mme Villeneuve revienne, hein? Elle est trop forte, cette tisane-là, Pierrot. Encore mes trous de camomille dedans. Oh, ça sert à rien, ce fin-là me fera toujours broyer. La fin d'un film de Jerry Lewis te ferait pleurer, toi. Mais pour dire que la mort de Mme Butterfly ne te fait rien. C'est pas ça que j'ai dit, Blanche. Puis là, j'avoue que Renata Scotto, dans cette vieille production-là, était particulièrement émouvante. Bon, tu vois, là, quand tu te laisses aller un peu... Il y a quand même une différence entre se laisser aller quand ça en vaut la peine puis sortir son mouchoir quand Gilles Latulippe compte une histoire drôle. Bon, je sortais pas mon mouchoir quand Gilles Latulippe comptait une histoire drôle. Oh. Ben, ou alors, si je l'ai fait, c'est parce que je devais avoir un rhume. Mais commence pas avec ça. Veux-tu demain, on va compter le nombre de fois qu'on va se dire ça dans une journée pour voir? J'y pensais en me disant, ça n'a pas de bon sens. Oui, mais si on compte, là, ça va peut-être nous faire peur. Puis on va peut-être s'apercevoir qu'on est encore plus vieille qu'on pense. Bon. Demain est un autre jour. Marie. Oui? Quel âge que t'as? Ben pourquoi tu me demandes ça? Tu le sais quel âge que j'ai? 2 ans de plus que toi. Commence pas avec ça. Là, je te demandais ça parce que t'as dit demain est un autre jour, puis tu dis ça tous les soirs avant de te coucher. Ça fait que si tu multiplies ça par 365 fois par année, plus les années que t'as vécues... Bon, bon, OK. Il n'y a pas rien que toi de folle. Tu es contente, là? C'est-tu ça que tu voulais? Ben ouais, c'est pas mal ça que je voulais. Bon. Pense à tout ce qu'on vient de se dire là, avant de t'endormir. Hein? Ben oui, ben oui. Ben, y a pas de ben oui, ben oui. J'étais très sérieuse, tu sais. Je le sais. T'es toujours ben sérieuse. C'est pas pour qu'on t'entende. Écoute, c'est demain matin que nos nouveaux règlements commencent, oublie pas.
Oh, ben, toi, puis tes nouveaux règlements. Ben, si t'étais moins pépé, on n'aura pas besoin, mais qu'est-ce que tu veux? OK, OK, j'ai 5 ans, j'ai besoin d'encadrement, puis maman va s'en occuper. Ouais, c'est à peu près ça, oui. Bon, alors, on récapitule. Ça sert à rien de lever les yeux au ciel. C'est pas moi qui ai couru après ça. Mais, écoute, Marie, là, je veux bien jouer les niaiseuses parce que ça nous amuse toutes les deux. Je joue tellement bien, là, que ça me ferait plaisir si tu me disais ce qui va arriver demain matin si jamais je me décide d'aller manger au restaurant. Je le prends pas personnel et je m'inquiète pas. C'est ça. Mais, oh, non, j'ai mieux que ça. On va commencer tout de suite, ce soir. J'ai oublié d'acheter des muffins anglais cet après-midi. Ah? Ben oui. Je vais aller en acheter tout de suite chez le dépanneur. Ben, Marie, t'es pas pour sortir à cette heure-là. Tu vas te faire enlever. Ben, voyons donc. Le dépanneur est juste au coin de la rue. Ben oui, mais il est quasiment à minuit. Et justement, si je me dépêche, là, je vais arriver avant qu'il ferme. Mais voyons, ça n'a pas de bon sens, ça. Je vais mourir d'inquiétude. Ça va être ton premier exercice, ta première leçon. Comment ne pas mourir d'inquiétude quand Marie va prendre une marche? Tu vas me faire mourir! Ça serait déjà fait. Ah ben non, mais attache ton collet, là, t'as pour 15 ans. Bye! Je vais te surveiller par la fenêtre. C'est ça, puis si je me fais attaquer, viens te défendre. Mais je vais rester tout seul, moi. Faudrait pas qu'il sache qu'on s'est parlé avant, par exemple. Tu vas très bien faire ça, Mathieu. Il va s'apercevoir de rien. Il va penser que tu réponds spontanément à la même chose que moi. Une chance qu'il ne sait pas. Oh, tipite. Je dis que ça va être quelque chose quand il va arrêter de croire ce qu'on lui dit. C'est bien moins loin qu'on pense. Hein? L'adolescence n'est pas loin. Oh boy. Papa! Papa! Oh, Dieu. J'espère qu'il ne nous a pas entendu. Mais non, il ne nous a pas entendu. On ne parlait pas assez fort. Salut, mon petit bête. Tu devais venir m'embrasser avant d'aller coucher. Je l'ai fait. Tu dormais comme un bienheureux. J'ai même replacé ton oreiller qui était tombé par terre. Tu m'as appelé juste pour ça? Ben oui. Non. Qu'est-ce que tu voulais? T'es trop vieux pour demander un verre d'eau, là. T'es assez grand pour aller t'en chercher tout seul. Eh oui, je sais. C'était pas ça. Qu'est-ce que tu voulais d'abord? Je voulais te dire, papa. Oui? Quand je vais être vieux, là. C'est pas un chum que je veux, c'est une blonde. Je